Et la porte s'ouvre, c'est magnifique. Pardon. Bon, je vais appeler Bertrand. Bertrand ? Ouais, salut, c'est Jean-Charles. En quoi ça consiste exactement le métier d'approvisionneur ? Le métier d'approvisionneur, on doit s'assurer qu'on livre en temps et en heure et en quantité les marchandises pour nos clients, qui sont pour nous nos clients internes. C'est la production, les chaînes de production et ce sont les entrepôts. On est une équipe de 10 approvisionneurs. Vous avez combien de fournisseurs dans votre catalogue ? Chaque approvisionneur doit travailler avec environ une vingtaine, au moins une vingtaine de fournisseurs. Sur des matériaux plus spécifiques pour vous, j'imagine ? Moi, je travaille plus particulièrement sur le domaine de l'électricité, les faisceaux électriques dans les bateaux, ainsi que la partie climatisation, plus d'autres fournisseurs sur de la quincaillerie. Nathalie ? Pour la clim 182-912, qui passe à l'indice D, tu mets l'application à partir de quel bateau ? Comment vous arrivez à avoir une vision globale en fait, des urgences, à les hiérarchiser ? En fait, on se sert de l'outil de notre ERP pour voir les dates de mise en chaîne des bateaux et donc en fonction de l'étape où ils sont rendus sur la chaîne, on peut estimer le degré d'urgence de la pièce. Jean-Charles ? Un objet m'intrigue sur vos bureaux, vous avez tous un miroir. Pourquoi faire ? Bon, le miroir a deux fonctions, on va dire. La première, ça permet de, quand on discute avec nos collègues sur des différentes problématiques, d'éviter d'avoir constamment à se retourner. On peut, juste en un clin d'œil, chacun en un regard se voir. D'accord, ça ne sert pas aussi à vérifier qu'on n'a pas quelqu'un derrière l'épaule ? On est sûr de ne pas être épié comme ça. Vous allez où là, Jean-Charles ? Là, je vais voir mon collègue Edouard aux achats. Il m'a envoyé un mail pour me dire de passer le voir. On a un nouveau produit là de chez un fournisseur et on va le référencer. Donc, il faut qu'on voit les données d'approvisionnement, etc. ensemble. Salut Edouard. Salut Jean-Charles. Je viens de voir pour ton mail pour les feux de nave. Ah, bah c'est celui-là. Voilà, je te l'ai amené. Ouais. Donc, ça, c'est un échantillon fournisseur. Là, on part sur une première commande en pré-série. Sur combien de pièces ? Je pensais une dizaine de pièces. Ouais. Et ensuite, une centaine par mois. D'accord. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Jean-Charles ? Là, on va aller au magasin du Poiré. Certes, on passe beaucoup de temps derrière notre PC, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens aussi qui travaillent en usine et au magasin. Et c'est important d'aller les voir, de montrer qu'on est présent et qu'on travaille avec eux et qu'on travaille pour eux. Quelles sont les principales qualités requises pour exercer votre métier ? Il faut beaucoup de rigueur, on a beaucoup de données à traiter. Il faut de la réactivité. Quand il y a un besoin sur chaîne et que le bateau est en cours de production, il faut réagir vite pour avoir la pièce le plus vite possible. Il faut être un bon communicant, c'est un métier d'interaction où on a beaucoup d'interlocuteurs. Donc il ne faut pas hésiter à échanger. Pourquoi avoir choisi le groupe Beneteau ? Le groupe Beneteau me plaisait de par son domaine d'activité. Les bateaux, on fabrique des produits qui sont magnifiques. Et aussi, avec, je me retrouvais dans les valeurs de l'entreprise, quoi, qui sont l'audace, la conquête, la rigueur, etc. Donc c'est un groupe dont on entend beaucoup parler dans la région et qui attire beaucoup de monde. Donc on est content de faire partie de ce groupe-là.